sont des gens qui ont été délaissés, blessés, brisés pendant plusieurs années. Alors c'est une tentative de renouer avec de la vie, avec la vie de tous leurs frères québécois, canadiens. Alors je pense qu'on peut déjà leur envoyer une grande poignée d'énergie pour que les choses se tissent bien. Je fais une courte présentation du temps. Ensuite, je vous présente un petit peu les dissonies, mais je vous présente surtout les charbons ardents du tisonnier d'aujourd'hui et de demain. Moi je suis Darfi, et c'est le Darfi qui organise cette petite rencontre avec les gens de Sainte-Geneviève. Je vous en parle tout à l'heure. Le Darfi existe depuis une dizaine d'années, c'est qu'on compte. Et son rôle, c'est une organisation de laïcs, d'abord. Les laïcs chrétiens, les laïcs catholiques, qui se sont réunis pour avoir une parole libre et incisive dans une église qui, parfois, est trop autoritaire ou trop hiérarchique. Et tout vient souvent d'en haut, et on oublie que l'esprit souffre aussi par en bas. C'est aussi le verbe. On essaie de cultiver un charisme particulier, celui d'interpeller d'interpeller les gens pour qu'ils se tournent surtout vers un souffle évangélique et un regard alimenté par l'Évangile. Le Darfi ne vit pas pour lui-même. Il est toujours en état de, je pourrais dire, de lanceur d'alerte, lanceur d'alarme, parfois, une sorte de prophète de notre temps, c'est beaucoup dire, pour réveiller à des situations qui sont plutôt traversées et qui devraient être traversées par l'Évangile. Le Père est toujours en recherche, on ne peut pas rester au même endroit. Et c'est pour ça que ce soir, il met la table, il se met à table avec deux organisations, disons des choses comme ça. Le tisonnier, d'une part, qui vit une expérience de communauté chrétienne bien vivante, bien mature, en dehors des sentiers battus, hors des paroisses, et hors d'une présence cléricale permanente, disons ça comme ça. D'une part, c'est le tisonnier, qu'on va y revenir, je vais soir avec évidemment. Et nous sommes tous reçus ici ce soir par un comité important, très vivant, très, très intelligent aussi. Le comité de sauvegarde de Sainte-Geneviève, qui regroupe des paroissiens de Sainte-Geneviève qui veulent sauver une église physique, toute magnifique d'ailleurs, mais aussi une église intérieure, celle de gens croyants, tout à fait disposés à soutenir là où les petites communautés chrétiennes qui vivent à Sainte-Geneviève et qui s'expriment parfois dans l'organisation pour des pauvres, Saint-Paul, autre organisation. Mais ce sont des petites communautés qui souvent ne le savent pas trop, ne le savent pas, mais qui ne demandent qu'à vivre une expérience un peu plus grande. Donc, c'est eux qui nous soient. Et nous allons essayer de tisser des liens avec eux, nous le parlons, d'essayer de tisser des liens avec d'autres expériences de communauté chrétienne qu'on retrouve
un peu partout, petite communauté ou grande communauté. Et tout ceci, ça se produit en temps de synode. Synode, ça veut dire, c'est un mot un peu vieux, en tout cas, ça veut dire marcher avec sur les grands spécialistes en Afrique. Alors, c'est marcher avec, comme marcher ensemble. Trouver ensemble. Le processus synodal dans notre diocèse va exister bientôt, c'est un petit peu lentement. C'est un peu soulevé déjà, mais ce n'est pas en grande marche. Et ce synode-là va s'étendre. Ensuite, au pays, il y aura un synode du Québec, il y aura un synode national du Canada, il y aura un synode de l'Amérique. Bon, évidemment, des Afriques, de l'Afrique et des Amériques, pour ensuite aller jusqu'au palier supérieur de l'Europe. Beaucoup de conscience a éveillé lentement devant des problèmes immenses du monde et de l'Église, où vous l'avez sûrement senti vous aussi, où le spirituel court le risque de s'éteindre devant la technologie. Et l'homme, le spirituel, l'homme, les philosophes nous ont dit, l'homme est un animal raisonnable. Mais c'est plus que ça. C'est un être spirituel, d'abord et avant tout. On est des spirituels, on se porte, on vit de spirit, et on a besoin de vivre cette spiritualité. Donc, il y a le risque que la technologie est tellement puissante, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, qu'on risque que le spirituel chez les humains disparaisse en tout ou en partie. Et on est devant cette bataille-là. C'est une bataille difficile à livrer, c'est une bataille dont il faut être conscient. Et le synode, c'est un peu aussi pour dire, mettons-nous ensemble, que ce soit nous d'abord, les chrétiens, les catholiques, mais mettons-nous ensemble, même avec d'autres religions, ça n'a plus d'importance, ces distinctions-là, puisqu'ensemble, on va peut-être perdre le plus grand trésor de l'humanité, qui est la vie spirituelle. Alors, c'est pour cela qu'on s'est dit, le synode, c'est beaucoup d'autres choses que ça aussi. C'est aussi d'apprendre à comment dialoguer, se rendre compte avec l'Église, avec les évêques, qu'on a, nous les laïcs, qu'on a une co-responsabilité, qu'on a une vraie responsabilité de prendre notre place, pour une fois, de prendre notre place enfin. Surtout que, actuellement, ceux qui étaient chefs ou à la tête des diocèses ou des paroisses, c'était les prêtres. Et il y a une grande diminution de prêtres. Donc, il y a une aventure nouvelle qui se présente actuellement et à l'Église et aux citoyens courants qu'il faut rencontrer cette aventure-là de prendre la place de dialoguer ensemble. Alors voilà pour ce qui regarde les organisations, et je veux vous présenter tout de suite ceux qui vont vous faire vivre le tisonnier, qui vit de l'église, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est 18 ans. Ils ont fait le mari de la commune. Ils ont dit risquant de vivre une communauté humaine. Ce n'est pas une communauté religieuse, une communauté humaine, une communauté qui valorise l'écoute, qui valorise la circulation de la parole et l'accueil, qui se met à la parole de Dieu aussi, qui écoute la parole de Dieu, qui s'organise pour ça. Je lui ai fait un prêtre, il y a l'époque, de temps en temps, le prêtre est là pour faire du charisme, des fois il n'est pas là. Mais la communauté, elle existe pour elle-même. N'existerait même. Je vois trop loin, elle n'existe pas pour elle-même, elle existe pour des autres. Elle se dit missionnaire, c'est-à-dire,
personne, ça vient des vieux mots là, qui ont été beaucoup, beaucoup usés. Alors, il faut redéfinir ça pour les rendre un peu plus éclairants. Donc, missionnaire, ça veut dire tourner vers l'extérieur. Ils ont un engagement dans la justice sociale, ils ont un engagement pour une société plus respectueuse de la dignité humaine et de l'environnement. Ils travaillent dans ce domaine-là. Et pour résumer un petit peu leur profil, très, très rapidement, ils vont le faire. Et il y a une parole de Carl qui est reconnue là, qui disait, pour moi, être missionnaire, c'est pas celui qui est à l'avance, qui est à l'avant, qui dit les choses aux autres, mais celui qui travaille sa propre capacité d'accueil et de gratuité pour ensuite le partager. C'est un petit peu ça. Donc, je vous présente deux grandes personnes. Une fille qui s'appelle Leslie Anne Boivin et un garçon qui s'appelle Gaston Mounet. Alors là, on va en quelques mots, parce que je pourrais prendre presque 20 minutes pour la présenter en totalité. Mais le déchargé de cours, consultante et conférencière en psychologie. Elle est candidate à la maîtrise en sciences et gestion de santé organisationnelle à l'Université de Québec à Trois-Rivières. Elle a un doctorat en psychologie. Alors, faites bien attention à vos questions. Parce que vous jugez ça. Elle a aussi un certificat de premier cycle en théologie. Elle a été employée à plusieurs endroits, j'en pense. Elle va vous aller voir, on va se présenter un petit peu. Elle Gaston, Mondéré, ça sonne très très affûté. Mondéré, c'est un Congolais de l'ex-Zaïre, pour ceux qui. Et ça, c'est dans le nord-est du Zaïre, du Congo, de la République démocratique, paraît-il, du Congo. Il est bachelier en philosophie et il a fait sa philosophie à l'Institut supérieur de Potembo. Il a une maîtrise en théologie pratique de l'université là-bas et il nous a. Fait le cadeau d'un livre très interrogateur qui s'appelle, qui a comme titre La cloche ne sonnera plus. Le viol n'était pas assez. C'est un livre sur le drame qu'ils sont en train de vivre dans la région de Moutel, dans la région de Kitouri, toute cette région-là. Je pourrais vous en parler longtemps. Je connais bien cette région-là. Et c'est un petit peu. C'est un grand drame qui est en train de se jouer là-bas. Donc, je passe la parole à Leslie Anne et à Gaston. Sur la question qui vous était posée aussi, donc comment être
Vous m'entendez bien derrière aussi? C'est bon? Oui. Okay. Alors, avant toute chose, je vous propose de se mettre en présence du Seigneur par un instant et d'être une invitation de prière. Okay. Juste peut-être prendre le temps aussi de s'accueillir tel qu'on est en ce moment. Donc, c'est des personnes qui ont envie de fermer leurs yeux, d'être un petit peu heureux à l'écoute de ce qui se passe. Dans nos forces et aussi dans nos différences, parce que tu nous as fait à ton image, tu nous as fait avec des caractéristiques qui nous sont propres, tous un chacun. Tu nous aimes, tous un chacun, tel que nous sommes. Il est vrai que notre Église a des décroissances qui peuvent nous inquiéter à différents degrés. Je te demande, Seigneur, de nous faire voir les opportunités que ces changements de l'Église peuvent amener. Fais-nous voir les croissances qui peuvent émerger. Fais-nous voir les chemins que tu laisses jaillir à travers ces changements. Un peu brutal. Ces changements qui sont porteurs de fruits aussi. Aujourd'hui, comme M. Bédard le disait, c'est une journée aussi très importante. La première journée nationale pour la vérité et la réconciliation entre les peuples. Chacun à notre façon, donc chacun à votre façon, je vous invite à porter peut-être des intentions, une intention de prière que vous avez en lien avec notre histoire, avec les peuples autochtones, cette vérité et réconciliation qu'on désire. Seigneur, de porter ses intentions de prière et nous aider à créer les ponts entre les peuples, entre les cultures, à être le pont. Aide-nous aussi à accueillir ces vérités et à les transformer en actions concrètes pour vivre dans le monde que tu promets déjà ici. Thank you.
riche porte pour que les communautés chrétiennes missionnaires se fassent missionnaires de notre temps, de plus en plus, qu'on puisse aller chercher les outils qui nous permettent de soutenir ces changements. Dans le secret de nos cœurs, Seigneur, on te partage nos prières. Et je terminerai ce moment de prière en faisant la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. Je trouve qu'il est à point avec le thème qui nous rassemble, qui est la solennité. Alors, lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu du loup. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a l'air d'un blâme, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute la ville, où vous entrerez et vous serez accueillis, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui se trouvent et dites que la règne de Dieu s'est approchée. Okay.
Des personnes plus jeunes, des personnes plus âgées. Alors c'est vraiment une belle différence.
Le isolé est né, en fait, d'un discernement, d'un besoin qui a émergé. Il y avait des jeunes qui, à l'époque, s'impliquaient à Jésus-Christ dans des activités qui étaient, à l'époque, très ponctuelles. Et ce groupe de jeunes-là était accompagné par un jeune prêtre qui s'appelle Pierre-Olivier Tremblay, qui est maintenant évêque à Trois-Rivières et qui demeure forcément attaché au isolé, qui s'implique encore dans le groupe ponctuellement. Alors, c'est à travers des rencontres, à travers des maisonnées où ils ont partagé sur leur vécu, à travers des temps de prière, des temps fraternels, que ces jeunes-là se sont rassemblés et se sont dit on aurait besoin de se voir plus régulièrement, de faire groupe ensemble. Les activités ponctuelles où ils répondaient à leurs besoins, c'était plus suffisant pour le groupe. C'est aussi, ça concorde en début des années 2000 avec l'arrêt d'enseignement religieux dans les écoles. Alors, il y avait comme ce que les jeunes voulaient à ce moment-là, certainement avec M. Tremblay, c'était vraiment l'idée qu'il n'y avait pas de structure qui leur permettait de vivre leurs besoins, en fait. Et leurs besoins aussi, c'était de rejoindre les jeunes générations, de pouvoir partager sur leur vécu, leur quête de sens. Donc, familier ensemble. Alors, c'est à travers ces rencontres que le Tizani est né et qui a évolué donc depuis à travers toutes les activités qui ont pu proposer, les liens qui se sont tissés et qui demeurent bien précieux après ces 18 ans. C'est ça, la communauté, là, c'est fondé officiellement en 2003. Puis si certains d'entre vous seraient intéressés à savoir davantage, Pierre-Olivier Tremblay a écrit son doctorat pratique sur l'émergence de la communauté du Québec. Alors, ça se trouve dans les têtes de l'Université Laval, très bien sur Internet. Alors, ça peut être une belle lecture aussi, si vous souhaitez en apprendre davantage aussi sur la fondation des fondements. Donc, essentiellement, on est une communauté ouverte à tous, ouverte aux besoins émergents, ouverte aux réalités qui émergent. Puis, on cherche à vraiment vivre notre foi ensemble à travers tous ces éléments, ces éléments-là qui nous composent. Aspect qui est important d'indiquer au niveau de notre histoire, de l'histoire et notre fondement, parce qu'évidemment, chaque groupe ou chaque organisation a un but, une visée, une mission. Et pour nous, le pari qu'on fait, en fait, c'est quand chaque personne existe déjà le feu qui est brûlant. Et ce qu'on cherche à faire, c'est à, comme un petit homme pour le feu, hein, à mettre. Permettre à ce feu d'émerger. Donc, disons, brasser le feu qui est présent en chacun d'entre nous pour que le feu puisse briller, réchauffer, éclairer aussi les autres. Et donc, dans l'accueil qu'on fait des personnes, on aime les accueillir telles qu'elles sont et on aime chercher les forces des gens aussi. Évidemment, une communauté nécessite un engagement. L'engagement, c'est à travers des actions que ça se fait. Hein, concrètement, alors évidemment, à travers les forces de tout un chacun, les intérêts de tout un chacun, on arrive à faire de notre côté ce qui est aujourd'hui. Donc, faire les tâches, les activités que nous avons à réaliser également. Très important pour nous de rappeler en fait qu'on ne détient aucune vérité. Alors, on vous partage vraiment l'expérience du Seigneur.
finalement, on est avec vous, on est en marche, en recherche. Il y a toujours manière de s'améliorer, tout ça, alors on est vraiment ouvert aussi à ce qui, on le souhaite d'émergement tout à l'heure, donc on pourra partager. Le premier point qu'on voulait relever et souligner, qui on pense c'est une des bases, c'est vraiment le fait que le prisonnier est d'un besoin qui a été discerné dans le temps. Alors, c'est vraiment, ça va émerger d'un besoin de certains jeunes à l'époque qui cheminaient avec M. Tremblay, donc Caroline Tremblay. Et c'est à travers ce discernement-là que graduellement, il y a eu l'engagement, qu'il y a eu du développement et que la communauté a émergé. C'est agrandi. Il y a un détail qui est important, si je n'ai pas précisé tout à l'heure, parce que, en fait, le prisonnier de Québec, le noyau actuel est d'environ une cinquantaine de personnes. Des gens plus réguliers, des gens bon, qui vont venir à une fréquence variable, et il y a des gens aussi qui ont cheminé avec le groupe, mais qui ne sont plus avec le groupe. Alors, disons que la communauté permet un cheminement, une circulation, si on veut, hein, au niveau de la participation, puis avec la communauté qui est là pour accueillir, en fait. Et donc, si j'en ai fait que les éléments ont besoin qui est discerné, bien évidemment, c'est parti de la base, quand un besoin des jeunes à l'époque, et les portes se sont ouvertes pour engendrer le groupe tel qu'il est aujourd'hui à travers les années. Le partage eucharistique, le partage autour de la parole. C'est un des premiers éléments qui, pour nous, me paraît essentiel. Le deuxième point aussi qui nous apparaît essentiel dans le Cité du Québec, c'est la fréquence des rencontres, des activités qu'on propose. Alors, il y a une stabilité de l'offre des rencontres. Mais il y a aussi une diversité des types de rencontres qui peuvent aller rejoindre les gens selon leurs besoins, selon leur situation de vie également. Alors, au niveau de la fréquence, comme je vous le disais, présentement, on est à deux rencontres par mois. Je sais qu'avant la pandémie, ça avait déjà été un petit peu plus. Mais disons, cette stabilité-là, on la maintient et on est très contents. Et même chose pour les cellules, cette stabilité-là, on l'a depuis plusieurs années également. Puis les gens qui participent vont venir, comme je dis, lorsque le besoin est. Au niveau des activités, on essaie d'être diversifié aussi. Hein, diversifié au niveau de l'engagement social, diversifié aussi au niveau du fait d'avoir besoin de fraterniser. Alors, les activités qui vont être plus ludiques, comme on est allé récemment cueillir des pommes en famille et dans un verger biologique. Ça nous permet de rencontrer, de partager sur nos vécus de façon plus informelle, de tisser les liens aussi, qui est la base finalement de notre communauté. Il y a un autre point qui nous apparaît extrêmement important aussi, c'est qu'en fait, c'est certaines dispositions dans les valeurs du groupe, dans la façon dont on accueille, qui, on pense, qui peuvent favoriser l'engagement et le maintien de notre communauté. La première des choses, actuellement, on ressent que dans le monde, il y a un besoin par rapport à l'accueil de la diversité. Quand c'est un des formats de groupe, alors de pouvoir accueillir les gens là où ils sont, dans leur liberté et sans jugement aussi, c'est vraiment ce qui nous sous-tend. De se mettre à l'écoute aussi, se mettre à l'écoute activement, comme disait M. Bédard tout à l'heure, créer la disposition d'accueil intérieur, c'est une base qu'on met en pratique à travers les résumés, à travers les partages. Et dans la sphère relationnelle, la fraternité, de pouvoir tisser des liens significatifs avec des gens en confiance, aussi, c'est un autre élément qui apparaît dans le métier du groupe et de l'engagement des personnes à travers le groupe. Évidemment, quand on parle d'engagement proprement dit,
va chercher la première chose, la participation des gens avec leur point d'intérêt, leur point fort, ce qu'ils ont envie de donner à la communauté. Et à travers cette force-là, la reconnaissance qu'on en fait entre autres à la GLA, l'Assemblée générale elle-même, on fait la reconnaissance, puis on prend le temps de remercier les membres aussi pour leur implication. C'est des éléments qui soutiennent l'engagement. C'est quelque chose qui est très important pour soutenir par rapport aux demandes qu'on fait. Parce que les demandes, en fait, c'est un peu toutes les tâches qu'on a réalisées, soit pour un travail ou pour un engagement bénévole. Et ça demande du temps, ça demande un investissement. Et donc, face à ces demandes-là, d'offrir une forme de reconnaissance, de souligner les bons mots des gens, c'est sûr que ça peut soutenir aussi leur engagement. Et en utilisant aussi les forces qui sont innées, qui sont déjà des points forts, comme les chanteurs, qui pour eux, c'est ce qu'ils ont envie de donner à la communauté. Bien, en fait, si c'est en concordance avec ce qu'ils sont, ce qu'ils aiment faire, la première motivation aussi peut en être améliorée. Donc, Gaston, j'en serais en train de laisser la parole. Merci, Leslie-Anne. Je suis content parce que Leslie-Anne est arrivée récemment. Mais ça fait pas moins d'un an qu'elle est là, mais ma foi, connaît bien la communauté, donc ça me touche beaucoup. Puis j'aimerais aussi remercier le Parti de Québec qui nous dispose de cet espace de rencontre, cet espace de parole. Toutes ces personnes qui sont là ce soir, l'église, la paroisse, le comité de sauvegarde. Donc, c'est un bel espace pour nous, pas des rassemblements, mais plus des rencontres. Parce que la rencontre a toujours été au centre de nos activités. On peut se rassembler sans jamais se rencontrer. On peut être là, mais on ne se rencontre jamais. Alors, au tisonnier, la rencontre est importante et c'est ce que je nous souhaite aussi dans cette soirée, de pouvoir rencontrer l'autre qui s'offre sous nos yeux. Alors, après le parcours historique, la vision, l'organisation du tisonnier, mais aussi les points que les Syriens ont nommés, je vais en ajouter trois autres. Trois autres qui vont nous permettre aussi la réflexion. Et comme elle disait, il n'y a pas une recette miracle. C'est ce que nous on vit, c'est ce qu'on observe, ce qu'on présente à toute humilité. Je connais plusieurs personnes parmi vous et je vois le prêtre Jean-François qui connaît aussi la communauté. Donc ce que je présente, il peut témoigner, ce n'est pas une recette, mais c'est ce qu'on nous vivons. Simplicité, attaque et église. Donc, comme elle disait, fondée le 29 avril 2003 par l'abbé Clébert, le père Olivier Tremblay. Alors, les prisonniers regroupés des jeunes, à ce moment-là, c'était enthousiaste. Ils avaient le feu et qui portaient des besoins, des désirs, des propositions. Des rêves, on posait la question de quelle église rêvez-vous? Vous rêvez de quelle sorte d'église? À Québec, évidemment, avec les contextes de 2003, avec ce que nous connaissons, l'héritage de l'église, de la société. Et nous, et vous, les jeunes universitaires, c'est à l'université, de quelle sorte d'église rêvez-vous? Alors, ils étaient enthousiastes, ces jeunes. Le groupe semblait le désir d'être un nouveau portique d'église, les lieux d'accueil, d'acclimatation, mais aussi les lieux d'avoir des missions, des dialogues, des rencontres, d'acculturation. De plus, le groupe a senti les besoins de se rassembler pour vivre les expériences des cellules, pour célébrer leur foi. Pour fraterniser dans les fêtes des activités sociales et sportives, pour s'engager
aussi se conscientiser par rapport à ce qui se passe dans la société, pour s'éduquer dans la formation sur la Bible, la mission, les ateliers sur l'art. Mon rappeur faisait des ateliers sur l'art, des ateliers de spiritualité. On faisait aussi des randonnées dans la neige. On faisait aussi des visites d'amitié aux personnes aimées. Et si dessus. Ça, c'était le début avec enthousiasme. Donc, chemin faisant, au fil des années, le groupe a été confronté à certains défis. Certaines personnes, on va mentionner, sont devenues grandes, ils ont eu des réalités de vie, ils ont fondé des familles, d'autres ont eu des emplois à Ottawa, à Chibougamau. Donc, quand on était serré à 2003, c'était plus la même réalité que moi, Jésus a été par exemple, c'était en 2017. Alors, tout ça, c'était des nouveaux défis. Alors, ce qu'on observe, on pensait que ça va s'essouffler, ça va finir, mais c'était plutôt l'occasion de croissance et de maturité. Et c'est de cette maturité que nous discernons ce que nous pensons être des fondements qui peuvent nous permettre de durer pour une communauté de durer. Ça commence fort, mais comment ça s'essouffle? Mais non, ça ne s'essouffle pas, ça fait 18 ans. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Qu'est-ce qui sous-tend? C'est quoi le fondement de cette communauté? Donc je vous présente trois autres, et là non mais d'autres, je vous présente trois autres fondements. Le premier, c'est l'esprit de la synodalité. L'esprit, que ce n'est pas ma chose, c'est pas la prisonnier, ce n'est pas à Patrice, ce n'est pas à Paul qu'on vient trembler, ce n'est pas à l'Esprit, ce n'est pas à Gaston, c'est pour toute la salle. L'esprit de synodalité avec les membres, mais aussi synodalité avec Dieu. Parce que nous sommes comme des partenaires de Dieu. Dans les disonies, on dit que Dieu nous précède. Avant d'arriver ici ce soir, Dieu nous précède. On ne fait que les suivre. Nous sommes solidaires de Dieu. Nous sommes partenaires de Dieu. Nous sommes en synodalité avec Dieu. Donc, synodalité entre nous, parce que ce n'est pas mon groupe, mais aussi synodalité avec Dieu. On lui laisse la place. Ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu aussi. Car les prisonniers, comme elle a dit, les noms même, ce n'est pas les prisonniers qui génèrent le feu. Ce n'est pas son rôle. Le rôle du prisonnier, c'est de brasser le feu. Ce n'est pas aux prisonniers d'aller donner du feu. Le feu est là qu'on ne sait pas comment. Et le feu est à chacune d'entre nous, on ne sait pas comment. Puis nous, dans le groupe, on s'est dit, qui sommes-nous pour dire, on va te donner le feu. Le feu, il est déjà là. Notre travail, c'est de l'attiser. Attiser le feu, même dans les centres où on passe qu'il y a plus de feu, mais il y a toujours quelque chose dans ces feux, dans ces centres, on va brasser le feu, les centres. Ainsi, toute femme, tout homme sont des partenaires de Dieu, mais aussi des co-responsables de la vie des communautés. Les décisions ne sont jamais hiérarchiques. Les décisions ne tombent pas d'en haut. Même s'il y a un comité, même s'il y a une équipe de coordination, c'est toujours à partir des besoins des participants. Et d'ailleurs, on ne dit pas les membres du prisonnier, mais nous disons, nous sommes des participants du prisonnier. Participants, on participe. Mais si on est membre, je peux être membre d'une église, je ne participe pas. Mais nous, depuis le début, on s'appelle des participants. Donc les décisions qui sont prises, ce sont les décisions des participants. Donc voilà le premier élément que je voulais soulever, la synodalité entre les membres, mais aussi la synodalité avec Dieu. C'est l'esprit. Le deuxième élément,
troisième élément. Le deuxième élément, c'est la définition même de la communauté. Communauté chrétienne missionnaire. Communauté, ça veut dire le prisonnier n'existe pas pour lui-même. Sa mission est de se mettre plutôt au service d'une réalité plus grande même que l'Église, une réalité que nous appelons le royaume de Dieu. Donc nous sommes une communauté, ce n'est pas pour moi, mais nous sommes là au service d'une mission plus grande que nous-mêmes, que l'Église, que le pape, que le Seigneur, le royaume de Dieu. Ça, c'est le premier élément, communauté chrétienne. Chrétienne, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas une assemblée. Nous ne nous rassemblons pas juste pour nous rassembler. Là, on va prendre une bière. On ne va pas prendre une bière pour prendre une bière. Non. Nous sommes rassemblés autour de la personne qui est le Christ. Même si je suis, ça pourrait être le bouddhisme ou autre chose, mais nous avons fait le choix de nous rassembler autour de cette personne qui est le Christ. Donc on ne se rassemble pas pour se rassembler, mais c'est autour de cette personne qui est le Christ. Et aussi on a les fondements, les fondements chrétiens plutôt catholiques. Nous sommes missionnaires. Une communauté chrétienne missionnaire, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. Tourner vers l'autre, on n'est pas centré sur soi-même, on n'est pas missionnaire pour aller évangéliser loin, mais le plus important pour nous, c'est ce mouvement d'être tourné vers l'autre, vers l'extérieur, vers le plus pauvre, mais aussi tourné vers l'environnement, vers ce monde qui nous habitons ensemble, vers cette maison commune pour tous. On est tourné vers les autres, mais aussi vers le monde que nous avons. Puis le dernier point que je voulais apporter, donc je vous ai dit synodalité avec Dieu, avec le peuple, mais aussi communauté chrétienne missionnaire. Puis troisièmement, les cellules, l'expérience des cellules. Face au sentiment de solitude, au sentiment d'être perdu, ou même ignoré par les grandes structures de l'Église, l'approche des cellules permet aux membres de vivre d'expérimenter l'Évangile dans les petits groupes. Ainsi, nos cellules sont des lieux de confiance, de créativité, de liberté, d'accueil, mais aussi de l'écoute de la parole de Dieu. Un petit exemple, au prisonnier, depuis que je suis là, il n'y a jamais d'homélie. L'abbé François peut témoigner. C'est toujours, on lit l'Évangile, puis on laisse la parole dans les petits groupes. On se rassemble avec les petits groupes. C'est ça, depuis que je suis là, le prêtre n'a jamais prononcé l'homélie. Parce que au sacré, puis on fait foi, on a confiance que la parole va circuler, puis que Dieu nous précède. Donc ce sont ces trois éléments que je voudrais ajouter à ce que les Syriens ont mentionné. Puis en terminant, je vous souhaite, au-delà de ce que j'ai dit au début, que je vous souhaite la rencontre, donc au-delà du rassemblement, mais je vous souhaite aussi d'être les co-responsables, de jouer notre rôle, de baptiser des chrétiens ou des hommes ou des femmes, parce qu'il y a toujours du feu à nous, et à chaque personne, des feux à brasser. Voilà, je vous remercie. Je passe qu'on est dans le temps. Sinon, on a terminé notre petit exposé. Pour le... Oui, j'ai le micro. Le micro,
Je me dis, qu'est-ce qui nous distingue comme groupe de tout ce qui a émergé quand on parle des groupes de partage à parole, des communautés comme Agapé ou Maison Myriam? Qu'est-ce qui vous rend attirant ou qui est particulier à vous? Notre école, c'était la première fois qu'ils engageaient une personne comme moi au Bisonou. C'est l'ouverture de la guerre. C'est la première fois qu'on engage une femme comme coordonnatrice du Bisonou. C'est l'ouverture de la diversité. On ne peut pas être différent. On ne peut pas être dit qu'il y a des choses qui nous distinguent des autres. On accueille tout le monde. Le fondateur, le père Olivier Tremblay, il insistait sur la vie comme elle se donne, quotidienne, la vie de chaque jour, de chaque matin. Puis c'est ce qu'il offrait dans les cellules. On arrive, on commence par les grands pas pour notre père et le Saint-Esprit. Comment on arrive ce soir? Puis après, comment c'est qu'on porte de ce soir peut-être éclairé par la parole. Puis enfin, vivons, fêtons, et la vie continue. Je pense qu'on est comme les autres. Mais c'est ça notre manière d'être. Puis c'est le désir plus de ces personnes-là comme elles. C'est ça émerge de ces personnes. Ça ne tombe pas d'abord. Comment on arrive ce soir? Il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire ça tombe d'abord et ça s'applique en bas. Ça part de nos besoins, mais toujours éclairé par la parole. Je trouve que c'est très complet. Simplement, nous sommes des partenaires avec des groupes comme Agapé, où on va organiser parfois des activités conjointes, des messes, le temps de Pâques aussi, le Tridium Pascal pour le vivre avec eux. Dans les deux dernières années, avec la pandémie, ça nous a affecté aussi en évidemment comme groupe. Mais normalement, les vos partenariats avec Moraes aussi, le sont juste ces fois. Autre question? Mais tout en étant chrétien, catholique, baptisé. Mais il voulait vivre quelque
chose où c'est la parole qui est au centre. Mais on a déjà été approché plusieurs fois pour qu'on soit avec la paroisse. On a dit au très très. On est catholique comme tout le monde, on est relié au diocèse, mais on n'a pas de paroisse. On n'est pas, de gauche, on n'est pas de droite, mais on n'a pas de paroisse. Donc, on aime ça comme ça. Alors, ici, tu as envie de vous poser? Je veux savoir, au début, c'est des jeunes que je comprends, mais aujourd'hui, les jeunes oublient le petit. Mais pour accueillir de nouveaux jeunes, c'est à vous des secrets pour, parce que c'est pas facile de faire aux jeunes aujourd'hui, là, parce qu'ils ont plein d'autres choses à faire. Vous avez bien des jeux vidéo sur chaque semaine. Fait que, est-ce que vous avez. Vous attirez les jeunes, à part des parents, évidemment, de vous en faire devenir comme vous faisiez dans le temps. Est-ce que des jeunes qui habitent, surtout si vous parlez d'environnement, ça peut intéresser. C'est quoi le secret pour attirer vos jeunes si vous en avez quelque chose? Je trouve que c'est une excellente question qui est vraiment d'actualité. Je pense qu'en église, dans nos paroisses, c'est une question qu'on peut porter. Je pense qu'il n'y a pas non plus de recette. Gagnant, mais des indices qui peuvent vous soutenir peut-être à ce niveau-là, comme on se fait présent sur les réseaux sociaux, pour annoncer vos activités, tout ça. Oui, le groupe aussi. Le groupe a maturé, donc on a des gens, le noyau, on pourrait estimer qu'il est entre 35, peut-être 40, à peu près actuellement. C'est mon estimé, là, je vous dirais, là. Mais évidemment, la communauté a évolué avec. Les gens qui étaient présents dès le début. Je ne sais pas si toi, Gaston, tu as d'autres points qui émergent sur cette question-là, qui est une excellente question. Mais les secrets, il n'y a pas de secrets. Au début, c'était des jeunes, ils se sont mariés, ils ont des enfants, puis ils continuent à venir avec les enfants à la messe. C'est ça ce qu'on fait. Puis avant, on avait une seule messe, mais ils se l'assemblaient. Actuellement, il y a la partie, quand on a la messe, des adultes de 60, puis notre salle, il y a des jeunes qui suivent, ils ont des catéchèses, et qui se joignent à nous pendant peut-être de notre fête. Donc, oui, il n'y a pas de secret, c'est juste qu'on vit avec les enfants. Est-ce que quand on aura 70 ans, qu'est-ce qui va devenir les prisonniers? Ils nous précèdent. Il y a des secrets. On vit, puis on voit ce qui s'est produit. Voilà. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a un premier secret, deuxième, troisième. C'est que le jeune, la maman ou le papa, vient avec son enfant à l'église. C'est ça ce qu'on fait pour les mots. Peut-être que j'ajouterai aussi en lien avec une question qui vous a été posée. Là, on fonctionne beaucoup par bouche à oreille, on ne fait pas de publicité très explicite. Donc, c'est vraiment. Les gens viennent, j'ai invité des amis par exemple, des voisins, en discutant, on réalise qu'on est chrétiens tous les deux, est-ce que tu veux venir à la messe, ses amis, découvrir, alors, ce qui permet une expérience, qui peut être une première expérience ou une expérience tout simplement qui nourrit une fois qu'il est déjà actif et qui est déjà affiché, je dirais ici. Je pense que les jeunes aujourd'hui aussi, je vais parler un peu aussi par expérience. Il y a la notion de vivre une expérience qui est importante. Vivre une expérience de rencontre, vivre un accueil, une communauté qui nous accueille telle que nous sommes. Ça, je pense que ça a beaucoup de poids, mais c'est souvent de la nature, plus en dehors de l'invisible, évidemment de la spiritualité, Dieu qui nous précède dans ces rencontres-là aussi, en tout un chacun. Donc, permettre l'expérience. Je pense que aussi le Tidonie a une belle force dans l'accueil des gens à l'église. Au même aussi, on va souligner les nouveaux participants dans des petits gestes de points concrets qui peuvent favoriser le sentiment d'inclusion dans le fait de faire partie du groupe qu'on accueille les gens. Puis dans tout ce qui est, comme je le disais, dans l'au-delà de l'invisible, qui se vit, qui se ressent, puis qui s'agit. Partout, en fait, partout, Dieu est présent, pas juste au Tidonie, donc à travers des rencontres simples, des fois.
proche. Là, j'ai vraiment à titre personnel, mais un voisin et voisine, on se côtoie régulièrement à l'école. On est chrétiens tous les deux, puis on se met à partager, mais déjà, on agit dans nos vies, on est ce qu'on est, on est ce qu'on porte. Donc, ça aussi, ça peut bien sûr faire une différence pour cette question. Je peux ajouter des petites choses aussi pour achérir. C'est pas tout le monde qui est à la messe non plus. Donc, il y a des personnes qui peuvent sauter quatre messes, mais cela, quand il y a une soirée cinéma, ça fait partie de notre activité. Ou est-ce cela qu'on va aider la ferme biologique à Saint-Achillée? Donc, il y a plusieurs activités qui sont offertes. Il n'y a pas juste la messe. Il y en a qui sont juste là pour la messe, ils ne sont pas là pour d'autres activités. Mais c'est ça. Membres ou participants qui sont venus. Puis l'autre truc, c'est le truc, c'est vraiment l'accueil, je peux ajouter inconditionnel. Des personnes qui sont comme à la marche avec ce que l'Église nous offre de manière traditionnelle. Des personnes lesbiennes, des personnes divorcées de mari, des personnes. Puis on les accueille, aux personnes ne les interroge, pourquoi tu vas communier? Moi, je suis assis prêtre, je suis là-bas. J'étais accueilli, personne ne m'a demandé pourquoi tu as quitté la prêtrise, pourquoi tu continues à dominer alors que tu n'as pas encore éclaircé ta situation. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est juste comme ailleurs. Donc, cet accueil, je pense, ça peut être électrique, si vous voulez, électrique. Mais il n'y a pas électrique, c'est que. Alors, je pense que la soirée est divisée en deux pour nous. Donc, je tiens vraiment à remercier la communauté Saint-Geneviève de nous accueillir et surtout aux tisonniers d'avoir bien voulu se présenter. Je tiens à vous remercier. Notre intention n'était pas de présenter le tisonnier comme un modèle. On vous le répète, on l'avait écrit, c'est simplement comme une expérience parmi d'autres. On s'est dit, ça pourrait être aussi stimulé. Donc, ce soir, l'idée du parti, c'est parce que, en réunissant, on veut avoir vos idées sur comment on va lancer le synode dans toutes les communautés du diocèse. On voudrait aider, je dirais, le diocèse à embarquer toutes les communautés. Et puis, on voudrait avoir vos idées. Donc, on a préparé une série de trois questions, ça fait simplement. On vous a divisé en cinq groupes. De ceux qui ont le numéro 1, ça va être là-bas, à droite, ça va être dirigé par Roger Labbé, qui est là, qui va se rendre là-bas. Les femmes sont déjà sur place. Ceux qui ont le numéro 2 sont à gauche, là-bas, en arrière. Et avec M. Daniel Allard, qui est de la communauté de Saint-Geneviève. L'équipe numéro 3, ceux qui ont numéro 3 viennent ici à l'avant, à gauche, et c'est M. Jean-Marc Blondeau qui va les aider. J'ai les feuilles pour Jean-Marc aussi et son équipe. L'équipe numéro 4 va être là avec M. Guy Bédard. Alors, vous vous rendez. Ceux qui n'ont pas de numéro, parce que je n'ai pas de plaquette en arrière, vous vous séparez, vous allez dans des cartes. Et l'équipe numéro 5, vous allez là, vous pouvez marquer la sortie, là. On ne vous envoie pas dehors, on met une petite salle là-bas, et Mario va vous conduire, ça va être avec M. Roger Bédard là-bas, qui va vous accompagner. Alors, je voudrais que vous preniez les questions et essayez d'y répondre. Ce ne sont pas faciles les questions. Essayez d'y répondre avec un plus profond de votre cœur. Là. Parce qu'on va prendre quelques notes, mais on va essayer de s'inspirer pour le futur, parce qu'on veut lancer, aider le diocèse à lancer le synode dans toutes les communautés du diocèse. Ce qu'on appelle les communautés, c'est les anciennes paroisses. On ne veut pas que les anciennes paroisses se retirent parce que l'Église en aura disparu. Il y a des communautés là-dedans, il faut les tenir debout, et on veut savoir vos idées là-dessus. Merci beaucoup pour ça. Oui, Olivier. Chacun des
va avoir un animateur. Très bien, oui. Très bien. Est-ce qu'on ramasse des notes dans notre groupe ou si on fait ça en plénière à la fin? On va juste faire une petite plénière. Je te mets une demi-heure, on va faire une petite plénière, juste après qu'on entende ce que les autres ont dit. Là. On demande à quelqu'un de ramasser quelques notes de notre rencontre de groupe. C'est ça, oui. Tu rassembles quelques notes. Celui de l'animateur rassemble quelques notes. Ah, ouais, d'accord. Laurent Moïdis, on vous rassemble les groupes. Alors, on vous souhaite une bonne réunion. Merci. Merci.